Bon. Donc, voici la loi des finances. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une lecture non un peu économique, juste légèrement économique, en attendant la publication de la loi sur l'investissement, sur les importations et surtout la démographie. Bon. Dans cette loi des finances, dit, m'amène à poser la première question. Allez-vous maintenir des Algériens en détention pour leur faire prendre des vessies pour des longs termes? Ça, je m'adresse directement aux généraux. Les généraux de l'état-major algérien l'état-major qui doit être renouvelé, qui utilisent des ministres pour publier ce genre de loi. Allez-vous continuer à garder des Algériens en détention pour des besoins de diversion, pour des besoins d'agitation, pour leur faire prendre une loi? Une vessie pour une lanterne. Cette loi est une vessie. Voilà. Innovation dans cette loi des finances 2023. C'est neuf, hein, c'est vraiment neuf. Dans les précédentes lois, c'est uniquement l'intitulé ministère de machin, l'intitulé. Ministère de ceci, ministère de cela, une seule colonne. Le budget alloué à ce ministère. Alors maintenant, pour 2023, ils ont innové. Autorisation d'engagement et crédit de paiement. Il y a, par exemple, je dis bien comme ça, hein, c'est juste un exemple. Mobilité et logistique. L'autorisation d'engagement, 94. J'utilise uniquement les milliards de dinars. Hein. Les milliards de dinars quand c'est nécessaire. Hein. Je ne vais pas lire tout le nombre là. 94 milliards de dinars. Le crédit de paiement passe à 192 milliards de dinars. 80, autorisation d'engagement, 94 milliards 497 millions 445 000 dinars. Ça, c'est l'engagement. Le crédit de paiement s'élève à 192 milliards 137 millions 95 000. C'est le double. Marine marchande et port. L'engagement est 4 695 000. Crédit de paiement, 74 659 000. Bon, j'arrête. Ce qui est intéressant, c'est juste un chiffre, hein. C'est-à-dire comment on écrit les chiffres, comment sont écrits les chiffres, les montants dans cette loi des finances. Hein. Énergie renouvelable, 3 milliards 55 millions de dinars. Le paiement, c'est le même, 3 milliards 55 millions de dinars. C'est le même, hein. Énergie no renouvelable. Administration générale, s'il vous plaît, 3 milliards 215 millions, crédit de paiement 3 milliards 215 millions, énergie renouvelable et administration générale, l'administration est supérieure aux énergies renouvelables. Maintenant, l'intitulé lui-même est problématique, énergie renouvelable. C'est-à-dire création de l'énergie renouvelable,
usine, étude, bien usine, étude de réalisation de faisabilité, ensuite investissement. Je l'ignore. Hein. À votre avis. Où est-ce que je vais aller maintenant? Presque à la dernière page. À la page 36 de la loi des finances. Voici le total, la ligne totale générale. Attends, totale générale. Total général, 13 trillions, 643, je répète, 13 trillions, 604 milliards, 704 millions 313 000 dinars. Les crédits de paiement. Le total général des crédits de paiement s'élève à 13 trillions 786 milliards 828 millions 387 000 dinars. Dans cette dernière page, je lis, c'est la page, donc c'est la page, c'est la page. C'est la page du total général, c'est la page 36. Je lis juste les noms principaux des chapitres, hein, des comptes de dépenses. Cour des comptes. Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Autorité nationale indépendante des élections. Conseil national économique, social et environnemental. Haut Conseil islamique. Conseil supérieur de la langue arabe. Conseil national des droits de l'homme. Académie algérienne des sciences et des technologies. Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Observatoire national de la société civile. Conseil supérieur de la jeunesse. Au milieu, il y a le Conseil supérieur de la langue arabe. Donc, pour Tamazir et la majorité de l'Algérie, c'est un zéro dinar. OK? Elle n'existe pas dans la loi. C'est-à-dire le commissariat au sens flicard du terme n'est plus autonome. Est-ce qu'il est rattaché au ministère des énergies renouvelables, ou bien à Sardin, ou bien à la présidence de la République? Bon, ça c'est accessoire pour moi. Je reviens.